tous, mes minous et mes minettes. Et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Terraria. Je crois que j'ai dit bienvenue deux fois. Ce n'est pas grave. Où est notre personnage? Juste là, donc on va continuer notre monde. Avant, est-ce que je tourne? Ouais, encore une fois, j'ai un peu la tête en l'air. Donc oui, on tourne bel et bien. Alors, depuis la dernière fois, j'ai pas eu le temps de farm... Oula, c'est quoi cette lenteur? C'est quoi cette lenteur de l'infini? Ah ouais, donc d'accord, c'est l'arme. C'est l'arme que j'ai dans la main. Ok. Donc depuis la dernière fois, j'ai pas eu le temps de farm les spectres... Bah pour me faire le restant de l'armure. Donc je suis désolé, mais on va devoir faire ça en vidéo. J'ai pas eu le temps de le faire en off. Ah tiens, les yeux ils sont en... Enfin tout est transformé pour l'occasion spéciale Halloween. Tiens oui d'ailleurs comment dire, à ce propos, pour Halloween je ferai une vidéo spéciale. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Une vidéo sur un jeu spécial Halloween. Par contre la vidéo risque de sortir après Halloween, donc bah voilà. Elle risque de sortir après le 30, donc c'est pas trop grave ma foi, tant que je la fasse. On va utiliser cette arme un peu. Ah ouais d'accord, on peut complètement ouais, disparaître avec cette arme. Je savais même pas ça, vous voyez. Et elle est plutôt puissante. Ouais, d'accord. Je comprends mieux maintenant. C'est une bonne arme en fait. Une sorte de couteau pour assassin. Et est-ce qu'il nous suit toujours? Ouais, il nous suit toujours. Et malheureusement, on peut pas... garder cet état très longtemps, je pense. Ouais, non, dès qu'on touche un ennemi, le mode invisibilité s'estompe. Ouais, par contre, ça permet vraiment pas de se protéger. Les ennemis nous voient, donc ça sert à rien de se cacher. On a reçu une manille. Plus 3 de défense. C'est bien dommage parce que je l'aurais échangé contre la... le truc qui régénère plus vite la vie si elle aurait eu moins de défense, mais bon. On peut pas tout avoir. J'ai pas non plus eu le temps de farm les cœurs de vitalité. Faudra bien que je le fasse à un moment donné. On continue à descendre dans les entrailles. Évidemment, je me la prends. Je me la reprends. Ah, vous savez quoi? Voilà. Piège de mes deux. Au revoir. On va se servir du yo-yo qu'on a gagné précédemment lors de l'éclipse. Il va nous être vraiment utile.
Surtout contre le golem. Regardez ça comment ça les recte. On a beau ne pas être guerrier. Pourquoi s'en priver? Bah limite on n'a pas besoin de ça. Enfin je me demande... Il était dangereux lui. Et comme par hasard il m'a pas loot son item. Enfin un de ses deux items. C'est pas bon ça. Il m'a ralenti comme pas deux cet ennemi. Il a cru m'avoir lui. Allez hop, de l'ectoplasme. Oh, et puis on peut en avoir plusieurs des fois. Regardez-moi ça, comment on les tue rapidement avec ce truc. C'est shit. Ça aussi c'est shit par contre. Des crânes qui passent à travers les murs et qui tirent à travers les murs aussi. Faut faire attention à eux. Ils peuvent nous maudire en plus. Regardez, en plus c'est un des deux yo-yo du jeu qui reste le à l'infini sur le champ de bataille. Le paladin il va prendre cher. Oui, reste ici mon coco. Ça sera plus facile pour t'exécuter. Et 4 pièces d'or. Par contre, il a rien loot au niveau des objets. Au niveau des armes, j'ai pas de chance. Hein. J'ai même pas eu le Toxic Splash lors de l'éclipse. La Keybrand, pourquoi pas? Bon bah... C'était un bon objet, hein. Franchement. Mais ouais, j'aurais aimé mieux. Hein. Regardez, ils peuvent plus rien faire. Ouais, la Keybrand, on va la garder pour le moment. T'as eu la chance de tomber dessus. Par contre, ça serait cool que... Regardez-moi ces abrutis qui espèrent vouloir me tuer avec les objets que j'ai. Faut pas croire, hein. Faut pas rêver, mes potes. Vous faites pas le poids. Juste 10% de dégâts. Attends, c'est moi ou il m'a fait que 20 dégâts? Ouais, c'est pas les squelettes qui peuvent. Qui frappent fort. C'est les squelettes les plus résistants, mais c'est pas ceux qui frappent le plus fort. Ouais, eux par exemple, ils frappent plus fort, vous voyez. Je les aime pas eux. Mais comparé aux gros crânes, ils sont moins chiants. Et puis on les one shot. C'est pas beau ça. Lui je le veux. Ça devient dangereux. Très 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 dangereux. Alors je suis pas fou hein. Allez, je vais aller au contact de ces brutes épaisses. Et vous allez voir que je vais vite me faire désinguer je pense. Ah, il reste là comme un pauvre idiot. Allez, meurs, 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 meurs. Voilà, la voie est libre. Ça fait... Oh! Oh, punaise! Oh oui! Oh oui! Oh Dieu merci!
quand même, la chance de Cocu avoir cet item comme ça, c'est. Je vous prie d'y croire, c'est pas. C'est pas facile. Je vous jure que c'est pas un item facile à avoir. Vous pourriez mettre plusieurs moments avant de le trouver. Ok, d'accord. Je m'en fous, j'ai peut-être perdu 9 gold. Je suis peut-être plus au donjon. Mais j'ai reçu le Wisp, ma gueule. Le Wisp, c'est tout simplement un objet très un familier super génial. Qu'est-ce qu'il a génial? Il vous éclaire. Enfin, il nous éclaire. Quoi? Vous trouvez pas ça fun? C'est le meilleur. Enfin, c'est dans la 2.4, c'était le meilleur familier pour éclairer. Maintenant, c'est le tentacle, je sais plus trop quoi. Là. Mais quand même. Ouais. C'est super. Alors, on peut se faire le plastron. Oh, il nous en manque plus beaucoup, les gens. On va aller se faire une dernière fois un petit peu le donjon. Ça nous permettra de récupérer nos golds. Je le sens bien. À mon avis, on va être armure spectre dans cette partie. T3E0 est arrivé. Ouais. À mon avis, ça doit être le PNJ Cyborg vu comment il s'appelle. À peu près sûr que c'est lui. Quand même, le Wisp à ma bottle, je m'attendais pas du tout à le choper. En mode YOLO, quoi. Au niveau de la Key Brand, ça va, c'est sympa. Même si je préférerais avoir le Magnetosphère. Allez, on parcourt tous les mondes, tous les biomes, à la recherche du donjon. Mais bon, vu qu'on vole, on s'emmerde pas. Quand même, avoir le pouvoir de voler, c'est quelque chose de... Enfin, dans Minecraft, si t'as pas de mode, bizarre, tu peux pas. Du vol quoi, c'est pas comme s'il y avait qu'une seule paire d'ailes en plus dans le jeu. Mais comment dire, même si j'ai le spectral machin chouette, il faudra quand même que je farme le donjon. Il y a au moins deux armes que j'aimerais loot et deux parties. Enfin, deux composantes pour la Master Ninja Gear. La Master Ninja Gear qui, je vous rappelle, est un objet plus que nécessaire, surtout contre le Dogfish Run, surtout qu'il a été amélioré avec une attaque bien chiante. Je peux vous dire que si vous n'avez pas le Master Ninja Gear, vous pouvez toujours courir. C'est même pas la peine d'essayer de l'affronter. Faut bien maîtriser le yo-yo parce que ça. C'est pas si facile que ça en a l'air. Par contre, le Terrarian, on n'est pas là de l'avoir, mais qu'est-ce qu'il est puissant! Ah bah tiens, une potion! On pourra toujours s'en servir. Ce mage là-bas, il nous intéresse guère. À part ça, y a rien d'autre. Bah allez spawner là les monstres.
ça, mais dans quelques secondes, ils vont spawner par centaines. Ça va être injouable. Ah, il faut que j'aille ici. Récupérer ce qui m'est dû. Ah, enflure. Bon, il fait pas très mal, hein, heureusement. Mais quand même. Merci de te rapprocher. Ah oui. Bah alors là, s'ils se mettent là, ça va être le carnage assuré. Il m'a fait que 4 dégâts. C'est vraiment pas des zombies avec une bonne attaque. Par contre, leur défense, oui, elle est bien. Il faut à tout prix que je me fasse ces mecs là. Ces mecs qui sont très rapides et qui ont 1000 PV. Leurs objets m'intéressent. Ah, il y en a deux là. Oh, imaginez, ils me donnent chacun. Ah bah j'ai. Oh, oh non, ça par contre, c'est dégueulasse. Ça par contre, c'est vraiment dégueulasse pour le coup. Je m'attendais pas à ça. Ils m'ont tous les deux donné un tabis, mais pas de black belt. Pas de black belt. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Ce troll. Bon, au moins, ça confirme ce que j'ai dit. Ils m'ont tous les deux donné un truc. Mais franchement, j'aurais aimé avoir le black belt et le tabis en même temps. Ça. Là, par contre, pour le coup, ça aurait été cheaté. Mais bon, c'est plutôt marrant aussi, vu comme ça. Au moins, je peux encore traîner un peu dans le donjon. C'est pas complètement terminé. Tu me fais pas très mal, tu sais, avec ton sort. Wow, il est rapide, lui. Là, logiquement, on a assez d'âmes pour faire le costume. Mais je continue un peu le farmage. Sait-on jamais. Regardez-moi ce maniement du yo-yo. Évidemment, il m'a rien loot. Allez, venez tous. Allez hop, on va chercher notre butin. Ouais non, en fait 5 âmes ça nous suffira pas, je pense. Ah, regardez le Kraken. Sauf qu'on a mieux que le Kraken. Donc ce yo-yo m'intéresse pas. En plus, il est même pas enchanté. Mais il nous permettra de faire un peu de blé. Car le Kraken, il se vend pas mal cher. Une dizaine de pièces d'or. Si mes souvenirs sont corrects. Bah alors tu viens ici, espèce de troussard. Troussard, d'accord. Froussard. Ah, un slime de donjon. Ça m'intéresse pas. J'ai cru avoir le machin chouette. Ouais, le machin chouette, ça veut tout dire, ouais. Et le magnétosphère, je veux dire. Oh là, il y en a des ennemis. Encore la Kaibrand ? Non mais stop, quoi. Fini de me donner de la merde, ouais. L'armor polish, encore. Elle me donne vraiment de la merde, quoi.
C'est abusé. J'ai eu le Wisp, ok, j'ai pas un plan, mais deux fois la Kaybrand, le Tabi. J'ai même pas eu les armes magiques là parce que ces enflures ils spawnent pas. Aucune des armes magiques je les ai eues. Et encore heureusement que j'ai Yo-Yo pour. Oh! Faites que j'ai le minou noir. Dans ces sacs là normalement on peut. Ouais, c'est. Faut pas rêver. Le une Lucky Arm, j'aurais aimé l'avoir. C'est un. C'est mon pet préféré dans Terraria. Ça nous donne un. Ouais, si. Bon, je retourne à la base, vu que je suis full. Ça nous a donné un vêtement de. De loup. Ouais, ouais. On va vendre ça. On va vendre ça, ça, ça. Le Tactical Shotgun. On va le revendre encore. Pour un total de. Oh oui, quand même. Niveau pièces, là, on commence à bien remonter. Ça fait plaisir. Et là. Attention les yeux. On va pouvoir se faire. Toujours pas. Pour les bottes, il en faut plus, d'accord. D'accord, donc on va se faire les bottes. Et là, tadam! Voilà le beau costume. Je vous montre ça. Oh. Et vous savez quoi? On n'a plus besoin du casque de mineur vu qu'on a le pet lumière. Si ça, c'est pas de la chance. Je sais pas s'il nous en faut encore de l'ectoplasme. Au pire, on va mettre de côté. J'ai dit, on va mettre de côté. Ouais, voilà. En plus, on l'avait déjà à l'armor polish. Donc, c'est pas. Ouais, c'était un peu de la merde ce qu'on a eu. Et là, on a du fric à gogo. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Vous savez quoi, pour les restants, enfin pour ce que je dois finir de récupérer dans le donjon, j'irai le farm en off. Là pour le moment on va laisser tenter un petit golem. Allez, pour la fin de cet épisode on va se tenter un golem. What? La blue... Ok, d'accord. La bloody machette. Je sais pas quel est le taux pour avoir cette arme sur les ombars. En tout cas, bon bah ok, maintenant je sais comment récupérer cette arme. Je me disais merde, comment là cette arme? Bah le zombie a répondu à ma réponse. On en découvre tous les jours sur Terraria, même quand on a 1000 heures de jeu comme moi. Ah ouais, je suis au moins à 1100ème heure. Rien que ça. C'est le jeu de Steam que j'ai joué le plus. Bon, après, il y aura Audio Surf que je vais bien geeker entre deux vidéos. Si vous connaissez pas Audio Surf, allez faire un petit tour sur vidéo YouTube ou alors allez dans les pages magasin Steam pour voir ce que c'est. Vous risquez d'être surpris. C'est considéré comme un petit jeu rythmique musical, mais pour moi, c'est bien plus que ça. J'ai pour 9€, j'ai pas regretté mon achat. La jouissance à l'état pur. Je vous en dis pas plus. À vous d'aller voir. Par vous-même. Alors eux ils sont complètement accro. Ah moi je profite hein. Je profite. Je farmerai aussi les goodies bags. Oh, à chaque fois ça me donne l'espoir mais non. Ça me donne rien par des vêtements. C'est quand même dommage. Ah bah tiens, Plantera.
Non. On va pas se la faire. Ce serait un peu de suicide. Wow, ils vont se calmer eux. Ils sont un peu trop nombreux. Bon alors on y est ou on y est pas là? Ah ouais c'est bon, on descend plus profondément. Voilà, on est arrivé au donjon. Ici, bon il y a que dalle. Normalement on a déjoué tous les pièges. On devrait pouvoir passer sans se faire insta-kill, je devrais dire. Ah, une solar tablette. Ça c'est quoi en fait? Non, c'est un truc de merde. On n'est pas passé la dernière fois pour rien. Ça c'est sûr. Allez, mourez. Ils en donnent... enfin, le taux de drop des sorts tablettes est plus élevé que le drop des invocations du golem. Et ça se comprend, personnellement. On retire nos sécurités. Allez hop, ce coup-ci, on va essayer de préparer un minimum l'arène, donc en faisant un peu son, gros enflure, en sachant que le golem c'est un boss qui apparaît depuis les airs, donc si on arrive à le bloquer dans un mont de mur, on pourra facilement l'avoir. Ouais je sais c'est un peu pourri de faire ça mais... mais je m'en fous. Et puis ça marchera peut-être pas, hein, qui sait. Moi je fais ça pour essayer de gagner. Si ça porte pas ses fruits, bah tant pis. Hein. Regardez ça comment c'est cheaté au fait. Nos armes magiques mettent du dégât à tout le monde autour. On monte encore plus. Le golem finira par te bloquer. What, c'est qui lui? Ok d'accord, il y a un... ouais ils ont une drôle de... ils ont une drôle de bouille ces trucs là. C'est plutôt... what the fuck. Bon on finit le... notre petite construction de... fortune. Hop, un petit peu de mana. Voilà. On fait en sorte que tout soit bien fermé. Et là, normalement, il devrait se passer un truc assez chelou. Je vous laisse découvrir par vous-même. On prend un petit peu nos potions, histoire que, bon bah voilà. On va mettre ça là, et on va mettre ça là. Voilà, on est prêt. Donc c'est parti pour le golem. Ah, bah ça a fail. Mais ça marche quand même plutôt bien, regardez. Le pauvre. Il a un point en moins. Ah merde, il s'est mis de telle sorte à ce que je puisse plus le toucher. Bon, ces boules de feu ne font que de 1 de dégâts. Par contre, s'il va hors du sol, je suis un peu dans la merde.
Allez, crève. Faut que son point meure. Voilà, c'est bon. Là, on va pouvoir un peu être dégagé. Par contre, j'ai peur qu'il s'enfonce dans le sol. Et que là, je pourrais pas le récupérer, malheureusement. On va attendre un petit peu que nos PV se régénèrent quand même. De toute façon, là, il peut plus rien faire. Ça, vous voyez, c'est technique de. Bah, de gros enfoirés. Ouais, c'est pas très légal, mais alors, comme on dit, le plus important c'est la victoire. N'est-ce pas? Bah reste comme ça, moi je veux bien. Hein. Y'a tes fidèles en bas qui essayent de... Ouais bon bref. Perso, là je suis full vie et je peux me re-soigner si je veux, donc Tayo. Mais pourquoi je vais là? Voilà, je reste là, on va pas. Ça lui fait vraiment mal. Par contre, faut pas oublier qu'il tire des lasers à un moment donné et que ces lasers là font plutôt mal. Et tant qu'on arrive à avoir sa tête, le reste sera simple. Fait chier là. Voilà, c'est comme ça qu'on affronte le golem. Oh bah regardez en plus qu'on a eu le Etrei. Sauf que maintenant il y a un problème de taille, c'est qu'on va devoir le réaffronter. Parce que malheureusement pour nous, cette enflure n'a pas voulu nous donner. Enfin, je sais pas si vous me comprenez bien, mais en fait. Mais de toute façon, ça me permet un petit peu de modifier un peu l'arène. On va faire ça. On va faire ça. Ah, mais je suis bête, moi, je fais ça alors que. Une sortie. Alors, on va retester. Voilà, on va rester là, tout simplement. Et on va regarder le golem se faire tuer petit à petit. Hop, ça c'est fait. Sinon ça va Regardez, il y a un ennemi en fourbe qui a essayé de m'attaquer. Il vise bien avec son poing quand même. Voilà, il a plus de points. Donc là, c'est la fin pour lui. Franchement, comment on peut l'avoir facilement. C'est tellement ouf. Par contre, on va attendre que notre énergie se régénère avant qu'il tire ses lasers. Parce que ce serait quand même bête. On va faire un truc, tiens.
Voilà. Voilà, c'est bon, on peut y aller. C'est qu'il puisse bien l'enfuir. C'est ça qu'on esquive. Hein. Je m'en fous de la vie que je perds. Tu mourras avant moi. Voilà. S'il te plaît. Par contre, la Possessed Hatchet, ça, par contre, c'est une arme. Enfin, c'est une arme de dingue. Franchement, on va se le retenter une dernière fois. Ouais, je suis un peu chiant avec ça, mais il le faut. C'est faut pas trop. Allez, on y va. De toute façon, on a le hatchet. Ça ira comme ça devra aller. Regardez ça, comment cet objet a été amélioré depuis la 1.2.4. Maintenant, le hatchet, c'est une arme destructrice, complètement pétée. Je t'ai demandé à attaquer le point, Paul Bro. Bon, on va attaquer ça de manière légale. On va utiliser un peu de notre mana, un peu. Après tout, pourquoi pas. Son point a beaucoup de vie, hein, franchement. Voilà, il a plus de bras, ça déjà, rien que ça c'est fait. Maintenant, on est tranquille. Allez, ma vie monte. On va juste le mettre un peu... Bon, on va juste lui baisser un peu ses PV. Voilà, on va lui mettre comme ça ses PV. Ah, j'adore tuer le golem de manière aussi facile. Prenez exemple, prenez des notes. Bon, après, question de. C'est question. Tout est question de timing, d'esquive. Il suffit juste de faire ça et puis vous pouvez l'avoir très facilement. Par contre, qu'est-ce qu'il fout, mon yo-yo là? Voilà, allez, dis-moi que... Je vais perdre patience sans déconner. Non mais c'est important, il me la faut. C'est... Il n'y a pas à discuter, c'est... Je suis obligé. Si t'as compris, je suis obligé. On va d'abord défaire ce point là parce que c'est le plus important. L'autre... On peut le faire avec de la marge. Allez là, plus vite. Voilà, c'est bon. Maintenant que ça s'est pété, ce coup-ci, on sort pas les steaks, on le finit à l'arrache.
mon énergie montera toute seule. Allez, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai, mais c'est... Non mais regardez-moi ça, c'est abusé. On est encore obligé de le refaire. C'est vraiment nawak quoi, c'est... Ça va être l'épisode de l'infini. Allez, sois gentil là. Loot-moi ce que je veux. What? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Eh oh, 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 doucement là. Le truc a derpé. Le point. Il m'énerve. Ça va être un épisode assez long. On attend d'avoir 300 de vie. Minimum 300 de vie. Allez, remonte plus vite. Heureusement que j'ai l'anneau de régénération. Évidemment, il nous a touché. Bah allez, tu vas bien te donner la pixel là, non quand même. Ah bah voilà, quand même, quand tu veux. Ah mais qu'est-ce qui peut être énervant ce type. Excusez-moi de la durée que ça va prendre au niveau du let's play, mais j'y peux vraiment rien. C'est pas de ma faute. Ça on vend. Ça on garde, ça peut être utile. Très utile. Ça on vend. On vend aussi le Staff of Earth. En ce qui concerne le Staff of Earth, je sais pas. Je trouve qu'il sera bien mieux que notre Meteor Staff. Quoique il a une puissance de 100 quand même. Vous savez quoi, ouais, vous savez quoi, on va laisser notre staff, notre beau staff ici. Concernant les armes magiques, encore une fois, on va continuer à vendre déjà de une. C'est vraiment nawak quoi. Le Atrey. Est-ce que ça vaut le coup de le garder? Ouais, allez. On change un peu notre armement parce que là... Je pense qu'à mon avis, on sera prêt pour le Duckfish Run dès le prochain épisode. Ouais. Mais il faudra que je farm en off le... Enfin, les trucs spéciaux encore à prendre dans le donjon. Et on sera bon.
C'est tellement devenu cheaté cette arme. Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo Mbemino vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me mettre un petit pouce vert avec vos petites pattes de miné, ou à partager la vidéo si vous avez envie. Oh, attendez, avant de finir, juste, je suis désolé mais je peux pas laisser passer ça. Hop, je le vendrai plus tard, on n'a pas le temps. Ciao tout le monde et miaou. Aïe aussi. Un peu de citrouille. Ciao ciao.